Pedro Vina est consultant pour Allied Reliability Group, basé à Everlay et spécialisé dans la lubrification industrielle. La lubrification et la bonne utilisation de graisse ou d'huile sont plus importantes que nous le pensons. Er zijn wereldwijde studies, hè, onafhankelijke studies, die aantonen dat eigenlijk 70% van de falingen gerelateerd zijn aan oppervlaktedegradatie of aantasting van de oppervlakte. Als je kijkt naar die 70%, is 20% door inwerking van corrosie en 50% slijtage. En daar komt eigenlijk smering op te pas. Hè. Smering die ervoor zorgt dat die slijtage tussen twee bewegende delen eigenlijk geminimaliseerd wordt. Het smeermiddel dat gebruikt heeft natuurlijk, speelt een grote part in het onderhoudsproces. En daarbij is de viscositeit eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je de juiste viscositeit al toepast, haalt je enorm veel rendement uit je machines. Industrie du Bois Vielsalm, c'est une usine de transformation du bois située dans la province de Luxembourg. La société a un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et emploie 250 collaborateurs. L'industrie du bois Vielsalm, en abrégé IBV, a été créée en 1999 par M. Joost et M. Haas, deux investisseurs privés. Et dans les débuts, notre activité principale, c'était le sillage de bois résineux et essentiellement l'épicéa. En 2006, on a pris la décision d'investir dans les énergies renouvelables à base de biomasse avec construction d'une centrale de cogénération liée à une pelletisation. Sur les sous-produits, les produits connexes de la scierie, donc la sciure qui va être transformée en pellet. Les chips aussi en partie partent en pellet, mais partent aussi bien pour les productions de panneaux OSB, MDF, pour les papeteries aussi encore. Construite en 2008, IBV est une usine de production de pellets avec une capacité de 140 000 tonnes. En 2013, sa capacité a doublé. Cependant, tout n'allait pas tout à fait comme il le fallait. Au moment de l'achat des presses à pellets, le constructeur nous a proposé d'installer un autre type de cola, c'est-à-dire des colas lubrifiés à l'huile. Comme pour les premières presses, on a suivi ses recommandations, on a utilisé l'huile que lui nous fournissait. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, parce que la durée de vie des colas, des roulements qui composent ces colas, était d'environ 6 à 800 heures. Nous avons fait appel au conseiller technique de chez Total qui nous a proposé d'utiliser l'huile Carter SG220 et suite à ces essais-là, nous avons aujourd'hui une durée de vie qui approche les 2000 heures. Voilà, ici c'est le local de stockage, tout ce qui est lubrifiant, huile ou graisse. En outre, le rendement a été augmenté par l'utilisation d'autres matières grasses. Donc on a cherché, on a testé plusieurs sortes de graisse pour améliorer la durée de vie des roulements. On a fait appel à Total qui nous a proposé d'utiliser la graisse Cero XM460. Suite à ça, on a vu une évolution considérable du temps d'utilisation des roulements puisque aujourd'hui, on est à peu près à 1800 heures de durée de vie pour ces roulements. Depuis quelques années, on constate que les clients industriels recherchent plus qu'un simple livreur de lubrifiant. Ils recherchent vraiment un partenaire solide, qui peut les aider dans plusieurs domaines de la maintenance. On a vu ici que c'était le cas pour les presses à pellets, mais voilà, on peut aider nos clients industriels à faire des plans de graissage. On a un service technique qui est proche du client. On a des équipes de terrain qui sont là tous les jours chez nos clients. L'avantage, c'est que tout est regroupé chez un seul fournisseur. Ce qui est déjà un grand avantage. Avant, pour nos différents produits, on avait 4, 5, 6 fournisseurs différents, plus un pour le pétrole lampant, plus un pour l'antigel lave-glace. Enfin, ça faisait beaucoup de paperasserie à gérer au niveau des commandes. On peut aussi parler de notre gamme de produits parce que c'est vrai qu'on a des applications bien spécifiques comme ici et le fait d'avoir une gamme très étendue, d'avoir un service technique et un département recherche et développement qui est très développé et qui investit beaucoup dans la recherche de nouveaux produits, certainement on peut aider vraiment des clients dans tous les types d'utilisation.